Au nom du Père qui papa qui se loquele loquelo, du Fils dit papa dialogana kiangani, et du Saint-Esprit dit papa diangenda kuntima. Papa Simon Kimango Kiangani, l'Esprit de vérité, nous a fait grâce de voir ce jour 16 juin 2018. On est ici en Occident, où sa divinité, Papa Simon Kimbangu, nous a envoyé pour être ses ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un territoire. Et notre territoire, nous savons que c'est Nkamba, la nouvelle Jérusalem. La capitale, dans un premier temps, de ces trois entités, soit territoire. C'est le corps de Tata Kimbangu, la tête, le Congo, à Angola, l'abdomen, bon, le côté ventral, la RDC, et les jambes, les pieds donc, le RC. Congo dit Brazzaville, mais j'aime pas le terme parce qu'il est maçonnique. Moi je l'appelle Mbanza Kimbangu. Vous m'excuserez. Aujourd'hui, je disais tantôt que on est 10 jours après l'envahissement de la cité de Nkamba, Mbanza Verela. Je vous avais parlé dernièrement que nous avons eu le privilège d'avoir à notre portée ce document-là. C'est un support d'information extraordinaire concernant, s'il vous plaît, le kimbanguisme. Ceux qui auront la possibilité de l'avoir, s'il vous plaît, ayez le temps de le parcourir. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que là-dedans, vous pourrez avoir plein d'informations. Regardez. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je disais tantôt que nous sommes le 16. Si aujourd'hui je veux avoir des informations sur ce qui s'est passé après l'envahissement de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, par l'autorité qui ne semble pas comprendre le message de l'envoyé spécial, notre Seigneur Jésus-Christ, donc Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, je vais dans le livre, regardez. Il y a plusieurs livres. Livre 1, promesse et prophétie. Livre 2, commencement. Livre 3, naissance. Livre 4, ministère. Livre 5, jugement. Livre 6, la relégation. Parlons de la relégation. Sa divinité, Tata Nkwatulendo, Tata Simon Kimbangu, a demandé à tous les Nkolé, les Bandabankolé, Tintin Kokolé Zankolé,
Donc les arrière-arrière, tous, ils ont reçu l'appel d'être en camp pour le 2 juillet. Car le 2 juillet, c'est la date de la mort de Maman Timba Béatrice Nkimba Vita en 1906. Et c'est son incarnation, Maman Kinzembo, la mère nourricière de Tata Kimbangu, le jour que vous avez quitté Abom, Mbomamvumbi. Donc tous les Ngolais, tous les relégués, donc les 37 000 familles, sont appelés à monter à l'honneur. Même ceux qui aujourd'hui qui ne sont pas présents régulièrement à l'institution, à l'église, ils doivent être présents en Kamba parce que papa a besoin de collecter toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'archivage de notre patrimoine. Livre 7, la clandestinité. Livre 8, la tolérance. Livre 9, la doctrine. Livre 10, principes et méthodes. Livre 11, le kimbanguiste. Livre 12, les monuments. Livre 13, les révélations. Livre 14, les messages. Livre 15, le pardon. Et livre 16, l'accomplissement et entre autres, les tableaux chronologiques de quelques événements historiques, l'arbre généalogique de la postérité de Tata Kimbangu. Hein? D'où il vient, du quoi après, qu'est-ce qu'il a donné comme de son nom, ce qu'est le Nkuna, comme il dirait. Titre, quantique, symbole, et tout, et consort. Voilà. Donc, je disais qu'en tant qu'ambassadeur, un envoyé, un représentant diplomatique doit avoir des armes, pas de destruction, mais de pacification. Donc, autre support, s'il vous plaît. Moi, je l'ai un peu customisé parce que nous avons ce qu'on appelle la science Mandombe aujourd'hui, l'écriture. Donc, j'ai ajouté quelques informations dans la science grâce à notre support d'écriture, notre support scientifique plutôt, le Mandombe. Vous verrez, moi je l'ai customisé. Voilà. Hein? Là. Là, c'est la prière de la paix, qu'on appelle généralement la prière du 6 avril. Il y a la version anglaise et la version en mandombé. Donc, je vous dispose ce document-là. Je vous prie, s'il vous plaît, si vous pouvez vous en procurer, parce que il y a une masse d'informations incommensurables. Je veux simplement vous citer par exemple sa documentation, ce qu'il a utilisé comme documentation pour compiler ces informations qu'il a à l'intérieur. Le docteur Banzouzi. Exemple 1. Le livre qu'il a utilisé en premier. L'histoire du kimbanguiste. Textes officiels et autres écrits. Témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. 2. Dialunga na Kengani. Avavi Amoyo. Nsia Musu Elukuikulu. Sono ya Velela. Ntezendango. Nsadulu Yo. Ntadusulu Yadibundu. Ça, c'est le livre que Papa Dialunga a écrit. Hein? C'est le plus grand écrivain de le kimbanguisme. Actuellement, tout au moins. Biovu Yemvuto. Nsiku Yemalongi Madibundu. Nzambi Kazolanga Masumuko. Tutunga kilongo kenzambi. Nsikulusu zadibundu. Nkembo tatumye Yelusalemi. Tomboka ku Yelusalemi. Tangini nafu ya Kristu. Tuzolanga Yelusalemi diampa. Tufimpe sono. Kankana nzambi. Kimbangizme. Voix du salut. Témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. Donc ça c'est le livre, deuxième livre qu'il a utilisé pour créer ce document là. Ça c'est donc le texte de Papa Dialungana. Donc quand j'ai lu le livre qu'il a écrit, je peux le citer. 1. Avavi Amoyo. 2. Nsiamusalu Kuikulu. 3. Sonoya Velela. 4. Ntezentango. 5. Nsaduluya Yantobusula Dibundu. 6. Biovu Yemvutu. 7. Nsikulu Shamalongi Madibundu. 8. Nzambi Kazulanga Masumuko. 9. Tutani na fuya flu Kristo. 10. Tu zolari yusu le midiampa. 11. Tu fin personu kankana nzambi. 12. Ki mangisme voie du salut. Et ainsi de suite. Donc, Papa Dialungana, c'est le plus grand, moi je dirais, le plus grand grand qui est aujourd'hui dans cette institution. Bien. 3. Ki solo kele lokelo. Témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. 4. Bo. La Sainte Bible, version Louis II et version TOB. Donc, traduction écuménique de la Bible. 5.
La décision de Papa Simon Kimbangu, témoignage verbaux et messages occultes. 6. Stéphane Finangani et Pierre Nzungu, manuscrits et notes du secrétariat. 7. Faculté théologie, de théologie Kimbangu, ses cours et fascicules. 8. C'est Ernest Tatam, le Saint-Esprit à l'œuvre. 9. Édouard Benassilou, participation au livre de l'histoire du kimbanguisme. 10. Zeid Ningambote, le kimbanguisme à Kinshasa. 11. Pierre Lembi Dilulu, la mort de Simon Kimbangu. 12. Joseph André Mayunga Diangenda, foi chrétienne, Brazzaville. 13. Bilolo Ntsimpa Baba, Kakule Bakwanama, Ufutubuna Mungabe. Son éminence Diangenda Kuntima, un travailleur exceptionnel. Les relations témoignent en sa faveur. 14. Mawiya Ndiwase, l'œuvre et la personnalité de Simon Kimbangu à la lumière de cette écriture. 15. Kabondo Wiyalika, l'expansion du kimbanguisme dans la sous-région de Bukavu. 16. Lucelu Ntadila, kimbanguisme, un rayon d'espoir. 12. Non, c'était à 16. Donc 17. Marie-Louise Martin, Simon Kimbangu, un prophète et son église. 18. Alphonse Bonzou, donc lui-même, le compilateur de ce document. Publication dans les mensuels Le Kimbanguisme France. 19. Lusansu Luankanda de Bandombe, édition Eki, édition dirigée par le professeur Robert Wazilandefo. 20. Nsambu Tosilwa, la généalogie de Simon Kimbangu, sa vie en clandestinité et ses miracles. Histoire du département de Chon, édition Eki. 21. Tukemboso Ditosilwa, ça c'est mon collègue, grand frère, en même temps dans les médias. Bande dessinée sur la vie du Simon Kimbangu. 12. Samuel Diakanoa, témoignage sur Simon Kimbangu, Eki. 23. Simon Enensiangani, éphéméride Kimbanguis, mémoire d'histoire, combat et souffrance de Kimbangu pour les libertés du peuple congolais. 24. Joseph Siasia Kikasu, Kinzembo et les missionnaires. Ça, c'est donc un autre éditeur, producteur ici dans les médias, dans les concernant les cantiques, les kimbanguisme. Papa Joseph Siasia Kikasu. 25. Elebe Kapalai, le kimbanguisme info, ecclésiastique et fidèle kimbanguisme, publication kimbanguiste. 26. Kaswera Mangeze, le kimbanguisme pour l'espoir du monde. 27. Bavwa Zabadiaku, correspondant de presse pour l'Angola. Mayona Ntanguza Wonsono, Tata Destin, ça c'est mon grand frère dans les médias, correspondant de presse pour le Zaïre. Jean-Claude Ndoudi, correspondant de presse pour le Congo RC, donc Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, vous m'excusez. 30. Nzaki Mwena Matondo, la personnalité spirituelle de Simon Kimbangu. 31. Joseph Mangoyo, notion trinitaire dans les régions, dans les religions et doctrines du Saint-Esprit dans l'église kimbanguiste. Luzitisa Diambu Lungisa, ça c'est mon collègue aussi au niveau de la média là-bas, la paroisse pilote. Lusitisa Diambu Lusinga Lungisa, plutôt, excusez-moi. Le précis biographique de Simon Kimbangu. 33. Ardi Simon Mazanga, publication du cabinet du chef spirituel en Kabbalah de Jérusalem. 34. Kukunga Kongo et Maoi, ça c'est le révérend qui a en UK là-bas. Les origines historiques du kimbanguisme au Congo belge. Suzanne H, voilà. C'est Suzanne H là, ce document. Donc, Papa Simon Kimbangu, sa divinité, avec son conseil direct, ils ont fait allusion le mardi dernier à Nkamba lors de l'Ujiki, du Forum des Jeunes. Hein? Là où on a fait ressortir les Papa Simon Kimbangu en train de rappeler ce que les trois glorieux ont laissé sur terre. Et ça, c'est une dame, je vous ouvre la parenthèse, je la ferme tout de suite. Donc, elle s'appelle Suzanne H. C'est de nationalité américaine, née à New York. En 1949, Suzanne H est sociologue. Elle a étudié des rapports entre les religions et le développement en Afrique noire, donc au Sénégal, surtout en RDC à l'époque Zaïre. Doctorat du 3e siècle en sociologie Paris, maîtrise en philosophie à Dakar et Bachelor of Art en philosophie et français à New York. Elle réside aujourd'hui. Bon, j'ai été la visiter en 2002 quand j'avais acheté ce livre-là. Je me souviens, j'avais acheté dans la rue des écoles, dans le 5e arrondissement. J'ai acheté le 16 septembre 2002. Et mon souci était de la rapprocher pour voir la quintessence de son travail et qu'est-ce que l'on était exactement. On voulait éventuellement mettre à jour ces informations. Et donc, malheureusement, je n'ai pas pu la raconter, mais sa divinité
par le touchement de son conseiller direct, Fumo Mbenza, Papa Mbenza Kangani, ils ont fait lire les textes qui étaient dans le document. Là. Bref, voilà, donc c'est également dans ce document, dans ce support d'information. Ton 6, Georges Balandier, naissance du mouvement socio-politico-religieux chez les Bakongo au Moyen-Congo. Donc ça, c'est l'histoire du Congo français, même Banza Kimongo, ex-Brazzaville. Martial Sinda, le messianisme congolais et ses incidences politiques. Kimongi, Somachouani, ses consorts. 38. Jules Chaumet, la passion de Simon Kimongo. 39. Matondo Mbiyei, notre conseiller qui est ici, papa pasteur Matondo. SK, de la figure historique aux héros dramatiques, Simon Kimongo ou le Messie Noir. 40. Basile Akiele, Simon Kimongo, le Saint-Esprit dans le monde. Je continue donc. Et enfin, 41. Les deux conférences internationales qui ont eu sur Papa Simon Kimongo, qui ont eu en février 2006 et en juillet 2011. Tout est à l'intérieur. Évidemment, sans oublier mon collègue et frangin, comme qui dirait, clé d'œil à toi, Papa David. Donc, David Mankandi Biongé, le Kimongisme à la lumière des Écritures Saintes. Et enfin, 43, mon collègue qui est en train de se reposer là, Papa Romaric Danigo Kwatikisa, le réveil de l'homme noir. Voyez-vous? Donc, il y a 43 supports d'information qu'il a utilisés pour pouvoir compiler ici. Moi, je l'appelle souvent notre Louis Segond. Vous m'excusez le terme, ça ne l'engage que moi. Donc, Tata Reverend Banzouzi, qui est ce monsieur d'ailleurs? Qui est ce révérend pasteur? Il a écrit un peu son petit propos, qu'est-ce qu'il est? Donc, l'auteur, donc le compilateur, Alphonse Banzouzi, pasteur et inspiré à la paroisse de Montreuil, qu'on appelait à l'époque Ex-Lumière. Baptisé dans l'église Kimongis le 24 avril 1958 à Mbanza Kimongo, donc ex-Brazzaville. Jumeau, né le 21 mars. Donc, il est né un jour avant la naissance de la date anniversaire de Papa Dengue Nagoutima. Donc, le 21 mars 1950 à Brazzaville, donc Mbanza Kimongo. Marié, père de 5 enfants, docteur de l'université de Nancy, France, en chimie organique, ancien major de la biochimie. Ancien major de biochimie à Brazzaville au Laboratoire National de Santé Publique. Ancien professeur de chimie à la Faculté des Sciences de Vendeuvre, dans l'Est de la France, vers Nancy. Ancien professeur de chimie et biochimie à l'école médicale et paramédicale de Joseph Lukabu de Mazakimongo, Brazzaville, et membre de la Chaki. La Chaki, c'est l'association des handicapés kimongistes. Donc, ce papa-là a fait un travail, je trouve, incommensurable, que nous devons faire valoir parce que. Je disais tantôt que ici, à tout instant, moi j'ai dit moi j'étais customisé. Hein? Donc j'ai mis quelques mes informations, mes conseils pour essayer de le comme j'ai dit, customiser. Hein? Voilà. Là je suis avec mon père créateur et mon employeur, ici bas sur Terre. Et ici, je disais par exemple, quand je parcours les événements du 6 juin, je peux savoir. Ligne par ligne, l'instant de Mbanza Nsanda. Donc, chers amis, en tout cas, vous m'excuserez du temps que je vous prends, simplement pour vous simple signifier que, donc, en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur doit avoir des informations nécessaires qui lui permettent de donner des bonnes informations dans le territoire où on envoie en mission, en tant qu'ambassadeur de représentation diplomatique. Et aujourd'hui, c'est ça pour moi. Si je marche, je suis serein. Quand je vais dans la rue, donc je fais mon déplacement, avec ça, n'importe quelle interpellation, je vais être capable de répondre comme il se doit. Évidemment, l'inspiration spirituelle est donc. Évidemment, là, c'est la dispersion physique. Donc, voilà, chers amis, chers auditeurs à travers le Média Kimongis, donc Média Ki, vous nous suivez. Clin d'œil à papa, je vois Génération Kimongo qui est rentrée. Papa Tony JDK, bonjour papa, qui vient de nous suivre, qui nous suit en même temps, et voilà, ambassadeur, vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur, apportez sa parole dans le monde entier. Oui, donc là, c'est ça, nous êtes là, on est là en mission. De la bonne nouvelle de l'évangélisation. Que Papa Simon Kimongo Kiangani, c'est lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Père de Jésus-Christ. En 2001, ils ont fait ce qu'on appelle la remise de prise. Comme à l'époque,
le 18 mars. Quand je l'ai embêté, en 21, il l'a embêté. Kim Mang commence ton ministère. Car ceux qui parlent de moi, là, ils ne sont pas en vérité. Mais toi, je t'ai choisi. Et lui, il retorque. Ah. Kimango naponio au salam au batila au patenangai. Voilà ce petit instant que je vous ai pris. Vous m'excuserez si j'ai dit quelques propos qui vous ont pas été agréables à votre disposition. Mais nous implorons toujours sa divinité, passe-moi Kimango, de nous accompagner afin que nous puissions être à même de le représenter, dis-nous, ici en Occident. C'était Tata. Diakongo, Mkwamazaye, Diamandombe, Tufokole, Munakumbo, Tata Gisolokele Lokelo, PVAC, Tata Delunga Nakangani Fumoto, Isu Gleso, Wamvuluzieto, et Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani, Tufokole. Non.